Hello tout le monde, c'est Pierre Cooking. Jeudi, nous allons faire un ragoût cabrit. Si vous voulez manger un ragoût comme ça, côté là, nous allons faire ça ensemble. Premier bagage, nous allons servir avec cabrit, nous allons servir malanga, pommes de terre, cresson, zoransu et nous allons servir avec citron. Ou ka servi avec un petit épice et épice haïtien qui gagne tout jeune qu'on fait épice non qui gagne tout bagarre là dedans. Après ça n'a coupé tout vivio bien petit, n'a bien lavé viande cabrit non. Après ça n'a pas ajouté citron, zoransu avec tout épice que nous voulait ajouter là dedans. Mais épice là c'est goût pau. Songez, c'est qui goût que vous voulez manger en gagne. Après ça n'a quitté le camper pour environ une temps. Après une temps, n'a metté l'eau sous du feu. N'a mettez la feu doux pour 30 à 45 minutes, ok? L'eau testée vient non ou elle est moitié cuite. Kounia ou pas ajouter légumes et puis ou pas ajouter vivre. Kounia nous prend tout fil. Raison nous tout fil, ça permet feuillant pas vête. Les retirer et les ou présenter bouillon et puis les permettre les cuire puis bientôt et puis rapidement. Après ça nous quand bien mélanger tout ensemble qu'on y a chauffer de l'eau pour ajouter là-dedans, pas mettre de l'eau froide là-dedans. Lorsqu'il mettez de l'eau qu'on y a ou mettre épices que vous voulez si que vous pas remet goût, c'est pour moi pour mettre petit beurre et qu'on y a ou quitter le cuit avec volume que vous voulez. De pour elle sembler comme ça c'est que li bon. Fait sur bouillon an, ragouan pas ni trop épais et ni trop clair tout. Parce que des poils comme ça, li pral bien épais, l'el fret la colle net et si le trop clair, c'est pas ragou gen la pou vide. Pardon. Après ça, ou ka présenter li avec ou ka mettre un petit citron soufflé, ou ka présenter la avec du riz, avec n'importe soufflé. Nous te content pour faire vidéo ça pour nous. Like li si nous remel, partager si nous voulons l'autre mon Noël et quitte un commentaire si nous t'a remé yon l'autre vidéo dans même façon. C'est Père Cooking qui remet. Un petit like, partager, abonner, bye bye tout le monde.